Coucou YouTube et bienvenue pour cette rediffusion du Not So Berry. Elle nous frappe, mais bien sûr, ça commence, ça y est, ils vont se plaindre dans le chat, comme si je les frappais à distance. Je frappe que les moucherons quand ils viennent me casser les noix. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on démarre sur un joli portrait. J'ai tiré la tronche de Chamallow et on a voté pour... Enfin, les viewers présents sur le chat ont voté pour le tableau qu'ils avaient de préférence, la photo qu'ils préféraient pour le portrait officiel de Chamallow. Pour cette... tout simplement pour ce challenge du Not So Berry. Donc, c'est ce tableau-là qui est... Enfin, cette photo-là, je suis fatiguée, je pense que je vais dire de la merde beaucoup. Ça arrive souvent. Donc c'est Chamallow, tout beau, tout sexy, qui a rejoint donc ses ancêtres dans le couloir et dans les multitudes de portraits que nous avions pour jusque-là. Et bien sûr, on continue l'aventure dans la petite maison rose que, évidemment, tout le monde adore. Bonjour YouTube, levez une main. D'accord, levez une main. Parce qu'il faut pas en mettre trop des émotes, hein, attention. Et des caps non plus, ouais. Je me suis fait bonne par l'image. Bah ouais, c'est ça. Note à toi-même, on crie pas en majuscule dans les chats. Non. Des fois, tu peux, mais en fait, je crois que j'ai limité à 20, max. Donc, si tu en mets plus, ben, ça ne marche pas. Voilà, voilà. Donc, ben, tout simplement, on va commencer à reprendre notre petite partie avec nos deux amoureux qui dormaient tout simplement. On a une petite Dahlia qui est née également en fin de live la semaine dernière. La première née de la génération pêche. Voilà. Pour l'instant, elle est sage. Est-ce que ça va durer? On ne sait pas. Et on avait aussi adopté Roger et Saucisse, nos deux hamsters, qui pour l'instant stagnent dans la chambre de la petite Dahlia. Pour l'instant, on verra. Après, la chambre est assez grande, donc on pourrait peut-être les laisser là. On verra bien ce qui en découlera. Et normalement, si je dis pas de bêtises, elle est bien enceinte déjà du bébé numéro 2 pêche. Donc nous aurons une naissance aujourd'hui avec, bien sûr, vous avez l'habitude, des votes du prénom. Selon ce qui sort, quoi. D'ailleurs, on pourra peut-être lancer une prédiction pour ceux qui sont présents sur le live pour savoir si c'est jumeau ou pas. Parce que si on dit garçon-fille, bah en fait, s'il y en a deux et par exemple si c'est garçon-fille jumeau, bah vous avez tous gagné et en fait ça va pas. Donc vaut mieux faire jumeau ou pas jumeau. Comme ça au moins, ce sera plus simple. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Ah, tu dois aller au... Attends, attends. Ouais, parce que là, tu dois pisser, mon gars. Donc, tu vas faire pipi. Va pipi. Arrête de... Oui, parce que sinon, tu vas mettre 10 ans à aller... T'es en retard? Tu commences à quelle heure? À 9h? Ah oui, 10h. Ah bah oui, j'avais pas vu, moi. T'iras bosser après. Parce que... Alors, lui, il est toujours dans la carrière à faire. Il est niveau 4. On n'est pas censé avancer beaucoup. Hein. On s'en fiche, en fait, du niveau de sa carrière. On n'a pas besoin d'aller au niveau 10. Faut juste qu'il devienne... qu'il se lance dans l'écriture une fois qu'il sera adulte. Pour l'instant, il vieillit dans 12 jours. Donc on a encore un peu de temps pour Cham Cham. Avant qu'il fasse sa crise de la quarantaine, quoi. Ouais, oh, oh, doucement, doucement. Alors toi, tu vas travailler dur, c'est ce qu'il fait. Toi, Biquette, là, tu te lèves. Ah, ça allait super vite. Alors, tu vas te prendre une douche. La petite, elle pleure pas. C'est un bonheur. C'est assez rare pour le souligner. Et après, tu iras manger des restes. Voilà. Et salut Fanny, comment vas-tu? Tu penses faire combien d'enfants pour sa génération? C'est marrant, on m'a posé la même question dans la rediff sur YouTube. Je sais pas. On va en faire, je pense, 3 minimum, quoi, comme à peu près comme d'habitude. Il y a eu la génération rouge et jaune que j'ai pas eu fait plus. Enfin, rouge, je me suis contentée de 2, jaune, on pouvait en faire qu'un. Après, j'étais sur 3 ou 4. Comme ça, vous avez le choix. Enfin, vous avez le choix. C'est pas vrai, parce que c'est pas vous qui choisissez l'héritier, c'est le jeu. Donc on verra bien ce qui sort. Parce que si c'est du jumeau, on s'arrêtera tout à l'heure, peut-être là.
Je ne sais plus parler. Mais voilà. Voilà, elle pleure. Ah, c'est eux qui font quick quick. Ah, le hamster joyeux. Je suis un hamster, je me crotte le derrière, je m'éclate bien dans le sable fin. D'ailleurs, ça tape dans mon plafond, je sais pas si vous l'entendrez. Jacqueline. Eh, c'est bon, t'es propre. Hop là. Oh, le bidou. Elle a déjà un sacré bidou, hein, quand même. On passe le rien. Droit d'auteur du livre reçu. Quoi? Écrit sous le pseudonyme Stephen Racking. Réalité redondante de rongeur. La vie selon saucisse. Oh, la vie selon saucisse est magnifique. Continue de faire partie de la liste des best-sellers de San Michino Times. L'éditeur de cet ouvrage a réimprimé est ravi de vous remettre ce paiement de droit d'auteur et souligne à quel point il a hâte de découvrir le prochain roman de Stephen. Il est Laure Roger. Quelqu'un aurait-il vu un rongeur dans le coin qui répond au nom de Roger? Si vous le voyez, dites-lui qu'il devrait payer son Don Plenosas rapidement s'il veut que sa protection continue. Oula! Alors, nous avons un hamster écrivain et un hamster dans la criminelle, quoi. Tout va bien. Roger, c'est trop un thug. Salut, moi, soldat, comment vas-tu? 3, je trouve ça bien. De toute façon, 4ème, c'est le mal aimé à chaque fois. Exactement. Et salut, Marie, comment vas-tu? Et encore, c'est pas ceux du dessus. Hein. Mais bon, les voisins du dessus, enfin la couenne du dessus ne fait que taper depuis tout à l'heure. Donc, temps libre. Chamallow a terminé une tâche plus tôt que prévu. Que doit-il faire? Chercher une œuvre d'art ou écouter de la musique? Que faisons-nous? À votre avis. C'est ça, Marie. C'est exactement ça. Bon, je sais pas, ils sont dans les escaliers, je sais pas ce qu'ils foutent. Ils ont l'air d'avoir plein de trucs, ils transportent des choses. Ouais, mais si t'as pas été d'accord de clipper la chanson du hamster, c'est quelqu'un d'occasion. Encore. Oh, ça a été courte celle-là. Bon, vous votez pas, allez, ben moi je cherche une œuvre d'art. Ah, merci Laura. Comment va Cham Cham? Chamallow trouve une œuvre d'art intéressante et la commande pour décorer le bureau. Tout le monde apprécie le changement d'ambiance que cette touche artistique apporte au bureau. Gain de performance petit. Ouh, bah Cham Cham va bien. Oh là là, qu'elle est mignonne, la petite Dahlia. On a voté pour... Enfin, les viewers ont voté pour son portrait que j'ai montré du coup au tout début. Du coup, ça y est, on a le portrait officiel de Cham Cham pour sa génération. Et merci Josie. J'ai déménagé à peu près 3 semaines, j'ai la même voisine du dessus que la tienne. Ça doit être sa soeur ou sa cousine. Bah, je te l'espère pas, Fanny. Hein. Ma pauvre. Bah si, ça devait faire partie de la famille, parce que j'ai entendu la porte. Et la gosse chialer. Enfin, la gosse, il y en a 3. Donc... J'ai mal à rencontrer Naoki. Mais c'est très bien, ça. Allez, travaille. Travaille! Alors, est-ce que Saucisse va bien? Ah, attention, niveau faible. Tu vas lui parler? Comment s'est passée la journée? Et tu vas jouer avec. En espérant qu'elle se fasse pas bouffer. Et là, pareil, tu vas lui parler. Parler aux rongeurs et jouer avec. Allez. Ça, c'est les rongeurs seront bien. Sachant qu'elle s'est lancée dans la carrière de photographe. Ah, il faut poster la photo. On l'a reçue, la photo? Je sais plus c'est laquelle. Non, c'était pas... Non, c'était pas celle-là. C'était l'adolescente. Oh, tu vas reprendre le courrier, à mon avis, doit être dans le... Oh non! Et t'es chiante, hein? Oui, on a autre chose à faire que de nettoyer le cul, hein? Marde, hein? Allez, c'est bien, taper dans mon plafond. C'est vrai que pour l'instant, il tient encore debout. Faudrait qu'il tombe, un petit peu. Elle mange aux toilettes, bah, tu sais, les Sims. Bon, d'accord, bah, tu feras rien avec les hamsters, parce que tu mets 10 ans à le faire, ça me saoule.
Bah, lui, il va bien. Saucisse va bien, Roger, pas trop. Accélère un peu parce que elle met 10 ans à bouffer ses haricots et sa tranche de jambon. Oui, oh là là. Puisque que moi, les cris de bébé, ça me frustre. Merci. Ah. Alors, tu vas lui parler, rongeur aussi. Tu vas jouer avec. Qu'est-ce que t'as? T'as encore envie de brailler, toi, là? Fais gaffe. C'est pas parce que t'es la première que tu seras mieux aimée que les autres, hein. Hop là! Youpsi! On a mangé ton nez! Saloperie d'hamster. Niveau faible, bah... Franchement... Alors, t'as récupéré le courrier indépendant. Oui, c'est celle-là qu'il faut poster. Et alors, ah, ça a fini sa mission. Ça va. Le hamster est revenu. Donc, en fait, on a deux hamsters. Parce qu'en fait, on n'en a jamais pris. Et au cas où, il nous rapporterait des petites cartes postales bonus, quoi. Même si on a déjà fini la collection. Tous les jours, je l'entends bouger ses meubles pendant 30 minutes. Elle doit changer à disposition tous les jours. Et forcément, traîne les meubles trop durs de porter. Mais moi, des fois, tu pourrais croire qu'ils font ça. Mais en fait, non, c'est juste qu'elle est en train de passer l'aspirateur ou passer le balai. J'ai mon voisin et il jure que non, genre, c'est du troisième. C'est ceux du troisième. Bah, moi, de toute façon, il peut pas y avoir... Il y a qu'un seul appartement au-dessus, donc je peux pas... Et appartement et étage. Oui, elle a gagné 522 simflouz. Ouais, la photo de Marina a déjà 102 j'aime. Waouh, plus que moi. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Je fais ma promo. Ah bah écoute, on a le temps de se faire chier. Tu vas nous prendre un contrat. Vêtements de sport. Élégance au quotidien. Études sur vêtements. Prof génial. Élégance au quotidien. On va prendre ça. Prendre une photo des Sims en tenue quotidienne. Envoyer une photo. Oh bah on va prendre Chamallow. On va pas se casser les noix. Attendez. Elle connaît qui, elle? Ah, Emmanuela est morte. Philippe. Léa. Et là, bah, elle... Attends, Philippe. C'est une personne âgée. Vas-y, fais venir Philippe. Fais venir Philippe. On va voir si il peut être sexy. Et vous dormez ou quoi? Personne parle debout là-dedans. Voilà, comme d'habitude. Cette fois-ci, je perds pas l'appareil photo. Alors, on prend une photo de Filou. Oh, mais oui! Attendez, est-ce que... Comme il fait froid... Attendez. On va lui demander quand même... Partage la grande nouvelle, on s'en fout. On va lui demander de s'habiller, à discuter des blocs de mode... Allez, mon filou. Indépendant. Demandez de changer de tenue. Gibbs, oh, il va être sexy, filou. Je pense pas que ce monsieur sache ne serait-ce que ce que c'est. Ah oui, il est encore plus beau. Ah oui, c'est bien, je l'ai reconnu. Il ne sait même pas ce que c'est un blog mode, mais bon, prends une photo de... Oh, Philippe. Philippe. Ah, Cham est rentré de son taf. Merci. Ça n'a pas marché. Je n'ai pas eu peur. Je me suis juste demandé pourquoi il y a quelqu'un qui marchait dans mon jeu. Ah merci Quentin. J'écoute, moi j'avais prévenu que je serais pas hyperactive. Effrayée par Marie, la meilleure modo. Ah bah voilà, là t'es beau mon filou. L'élégance.
l'élégance au quotidien. Et merci Périnette pour ton follow et bienvenue à toi. Pète-la toi, Filou. Ouais, oh ouais, sexy. Oh, tu es beau, Filou. N'ayez crainte, les enfants, je suis sympa. Tu es beau, Filou. Tu es sexy. Oh oui! Oh oui! Un petit peu de joyeuseté. Ah, parfait. Tu es aussi gracieux qu'un corbeau qui s'élance dans la faune. Oh là là. Tu es beau. Tu es beau, Filou. Tu es beau. On est sidéré par ta classe au naturel. Tu es beau, toi, sans que ça aille. Oh, tu es triste. Alors, le séducteur? Oh oui, le séducteur, regardez-moi ça. Voilà, il y a Chamallow derrière, mais... Je confirme, Marie, elle est sympathique. C'est bien. Et sinon, mon stream, vous en avez quelque chose à foutre ou comment ça se passe? Ah! Alors, elle a niveau 2. Ça va, ça avance pas vite. Bon, je peux... Voilà, je voudrais... Ah! Mon jeu, il rame. Cham Cham, tu vas aller te prendre un petit bain. Un petit bain de mousse. Et je vais enregistrer que ça évitera que ça rame un peu. Voilà. Ton stream est sympa aussi. Oui, c'est ça. On lui dira. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Tu vas prendre, vas-y, exceptionnel, indépendant, envoyer une photo. On va prendre la grâce du corbeau. Tu vas envoyer celle-là. Allez. On va envoyer trois de Filou. Tu peux partir maintenant. Ah oui, je sais que t'as la gerboise. Eh ben écoute, c'est bien. Maintenant que Cham est là, ça courra. On peut se rejoindre quelque part. Oh non. Pas que ça fout, non. Cœur sur Filou. Ça y est, vous l'avez kiffé, le petit Filou. T'es beau gosse, hein? Laisse tomber les filles, laisse tomber les filles, tiens. Ah oui, c'est vrai que tu peux rien faire, toi. La posture du cadavre. Ah, tu devras prendre soin de tes plantes. Ah, tu pourras planter le raisin. Ça, c'est cool. Et tu pourras tout récolter. Enfin, tout vendre, on s'en fout, d'ailleurs. Bon, bah, écoute... Elle a les besoins beaucoup trop hauts, en fait. Du coup, elle a besoin de rien. Alors que Cham, bah, il faut qu'il s'habitue à... Faut qu'il bosse. Festival Lumière. Ah, tiens! Le hamster heureux, le retour. Je suis un hamster heureux. Je proute dans le sable si je veux. Je suis un hamster heureux. Je me gratte les couilles. Et les deux. Bravo Quentin, merci pour tes 100 bits. Ce prout qui vient de nulle part. Salut Tom Pouce, comment tu vas? Il est en train de se gêner Cham Cham dans ses objectifs. Eh bien, il est pas mal. On a fini la collection de cartes postales déjà depuis deux lives. Il enfante pour l'instant. Et bien-être et écriture, on est au niveau 6. Donc tranquille. On a encore un peu de temps devant nous. Hein. Voilà, il a fait... vas-y, arrose aussi là. Hein. Le client a prouvé la photo. J'arrive pas à voir c'est laquelle. Bah, il a prouvé les trois photos que j'ai envoyées, c'est merveilleux. Filou, il a tout déchiré. Moi, c'est... Vous savez que j'ai ce don pour reconnaître... pour reconnaître le... Voilà. Ah, on peut faire évoluer enfin les plantes. Oh, quel bonheur. Il était temps. Mais écoute, mon coco, tu vas... Ah, tu vas manger. Est-ce qu'il a faim? Tu vas prendre des restes et puis après, bah, tu te mettras à écrire un peu, je pense. Écrire... On va écrire un livre de genre des joueurs. Donc, si vous avez des titres de livres, n'hésitez pas.
Oui, un autre gamin dans le four, ouais. Ça va sortir bientôt. Ah, c'est bien ça, cuisine. Car ça va quelque chose au moins. Ça va, la petite, elle est pas trop relou. Hein. Tranquille, hein. Je l'aime trop, cette petite photo. Elle est trop marrante. Est-ce que t'as des jouets, toi? Ah oui, t'as des joujoux. Pour après, pour la petite. Ils sont un peu violets, tes jouets. Hein. La génération violette, elle est finie. Hein. Un petit chat. Qu'est-ce que c'est, ces bruits? Alors, ça y est, il va écrire. Parce que la semaine dernière, on était à fond sur crime et cornichons, d'accord. On était à fond sur le bébé, donc forcément, on a un peu laissé tomber les compétences. Mais il faut pas les oublier. Le prout, c'est pas moi, c'est l'hamster. J'aime jouer avec les filles. Vous êtes vachement pas inspirés, en fait. Bon. On va prendre la seule personne qui a proposé un livre. Hop! C'est Martial. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Oh la vache! Oh! Oh, ce maquillage de toute beauté! Excusez-moi, je prends juste la tronche en photo. Hein. Un maquillage incroyable de toute beauté. De toute beauté. Partez, madame, hein, on vous connaît pas, de toute façon. Après, tu feras le vaisselle, toi. Hé, hey, écris mon petit. T'as tout un bouquin à faire. Faut gagner des pépettes. Hein. De toute beauté. Mais oui, c'est de toute beauté. C'est ce que je suis restée dubitative vis-à-vis du titre de Martial. Bah, c'est le seul qui a proposé, donc voilà. On va quand même rentrer ça, parce que si on se fait piquer... Hein? Après, tu me diras, on a un truc, un tapis ici. Mais... En fait... C'est un truc de fou, j'ai fait la maison. La pièce ici est tellement grande. En fait, j'aurais pu faire la salle à manger et le salon, quoi. Mais bon, tant pis. Ah! La petite, elle pleurait. Elle a besoin du nichon de ma main. Oh, le nichon de ma main. Serre-moi tes nibards. Voilà, bouffe-moi ça, ma cocotte. Le sapin à moitié dans le jardin. Oh, ça va. D'ailleurs, ah oui, on n'est pas encore à la fin de l'année. On est encore en hiver, donc ça va être le jour de l'an là. C'est cool. Oui, lui est content. Il est inspirationné. Niveau 2 de la compétence éducation. C'est bien. Alors, je l'ai mis où mon carnet, moi, avec les prénoms. Je suis désolée, je vous ai donné un coup dans le micral. Et ça fait mal. Ah, mais il est là. J'ai eu un autre prénom pour un garçon. C'est au cas où on serait avisé d'avoir un autre garçon. Quelle idée. On veut pas de garçon, on veut une fille. On veut que des filles. Je les ai notés où c'est. Ah si, c'est là. Donc, j'ai la... Ah non, je l'ai pas noté. Zut, il faudrait que je note. Ah, c'est beau, waouh. Si tu veux, t'es inspiré, tu vas faire de la cuisine. Une petite salade de fruits, allez. C'est bon pour le régime. Je vais regarder dans mes commentaires. Où est-ce qu'il y a le corps? Non, un petit mec. Voire deux. Visage tirant la langue. Non. Ah non, mais on a eu deux garçons en héritier, là. Ce serait bien d'avoir une fille, zut, hein. C'est Toya, voilà. Toya. En prénom garçon. Vous me direz, la Toya Jackson, c'était une fille, hein. Ouais, ça pourrait le faire.
Oui, on aime bien les garçons, sauf que j'aimerais avoir une fille pour équilibrer au niveau des héritiers. On a eu plus de mecs que de filles pour l'instant. On a eu 1, 2, 3, 4 mecs et 3 filles. Donc c'est pour équilibrer. Après, on peut faire 5-5, hein. Moi ça me dérange pas. Hein. C'est-à-dire encore un garçon et après 2 filles, quoi. Mais il faut que ce soit 5-5. Après, c'est le jeu qui choisira. Mais il faut que dans les naissances, il y ait une préférence fille. C'est quoi le prénom? J'ai pas compris. Toya. D'ailleurs, Amsden. Mais tu l'as pas donné à quelqu'un d'autre, Tundra? C'est dans ce cas-là, moi je prends pas les prénoms des autres. Hein. Quand même. Amsden, j'ai du mal à le dire en vrai. C'est joli, mais j'ai du mal à le dire. Allez, on va accélérer un peu, parce qu'on attend de se faire chier. T'es pas en super forme, toi, mon biquet? Le divertissement, va faire un petit crac-crac hein, pour relever ça. Bon, arrête de parler, là. Oh, on, a même pas, on est loin du niveau 7. Hein. Mais hey, elle est pas possible. T'as pas un truc à faire, toi? Je vais te mettre au tricot. Et nous, on va te mettre au tricot. Tricot. Ah. On a des trucs qui ont sauté. On peut plus le mettre là? Oh, Baby Move Object. Par contre, il n'y a pas de souci d'avoir le sapin à moitié dehors, mais... la boîte là. Ouais, la fuseur, non. Alors, tricot. On va mettre au tricot. C'est bien. J'aime pas trop ce panier. On va te mettre le mettre en blanc. T'as que j'ai des choses à foutre, on va te le mettre ça. Tu vas voir. Tricoter des bonnets. Oh là là, on n'est pas assis sur la bonne chaise. Oh! Ils sont chiants. Ah, trop tard, ta chère elle gueule. Allez. Allez, hop, tiens, y retourne. Tricoter des bonnets. Alors, on n'a pas de bonnet pêche. Hein. On va faire un verre. Pour la génération d'après. Ah, mais... Qualité, bon livre. Ah, mais c'est ça. Ah, mais il a fini son livre. Oh. Ben c'est bien, vas-y, vends-le à un éditeur. Oh, mais il a finalement fait ça rapide, hein. Je pensais qu'il aurait mis plus de temps. Après, t'iras faire pipi, puis après, c'est crac-crac. Allez, femelle. Femelle, réponds au désir du mâle. Allez, hop. Faut élargir le passage pour le prochain bébé. On est obligé de passer par là. Voilà. Je crois qu'on a ignoré celui-là quand je l'ai proposé. Je suis pas sûre. Elle a bientôt des coups de... Non, pas du tout. Non, pas du tout. Qu'est-ce qu'elle a? Réagir à première neige, ouais, c'est bon. Ouais. Oh, ça va aller, oui. Alors, elle a fait crac-crac, nouveau bébé. Deuxième trimestre dans 4 heures. Non, on a le temps. Qu'est-ce que je t'ai dit, toi? Va te coucher. Oh là là. C'est bientôt l'anniversaire de Dahlia. Ça fait que 24 heures Sims qu'elle est née. Déjà, tout le monde sait que c'est interdit de tricoter assis sur une chaise de salle à manger. Ben, bien sûr. Il y a un risque de sanitaire, tu vois, c'est... Tu peux te crever les yeux, quoi. Ouais, bah va pisser, Georgette. Ouais, ayez samedi, vous retournez vous coucher, wesh. Attends, la petite, elle... Dors. C'est ta femme qui va y aller. Faut bien qu'elle serve un peu. Ah, oh, je suis horrible. Bientôt, t'as le hamster, il va sortir de sa cage pour s'occuper du gosse, quoi. Qu'est-ce qu'elle a?
Du nichon, du nichon. Le nichon, c'est ce qu'il y a du bon. Par contre, ça neige encore, quoi. Ah, mais c'est réveillon, ça y est. Ouais, trop mignon. Ils iront pas bosser. Ils vont faire la fête, ils vont faire chouchoubi. De quoi, Charlotte, 1980? Tu crois que je suis dans Stranger Things? Ouh! Pipi, après tu vas prendre une douche. Ah bah, tu fais à bouffer. Tu fais quoi? Macaroni au fromage au petit-déj. Waouh, faut avoir l'estomac bien accroché. Hein. Chouchoubi. Ce sera chouchoubi ce soir. Bah oui, meuf, que... hey, t'es en petite tenue là. C'est normal que t'aies froid. Marina a reçu une amende conformément au plan d'action économie d'eau. Oh, j'en peux plus de ces plans d'action. Ils me saoulent. Ah, on va l'abroger. En plus, on est dans la période, là. C'est très bien. On va pouvoir abroger cette connerie de... d'abrogation, là. Ça me court sur le haricot, hein. Voilà. Zut. J'ai marre. Crotte de bique. Alors, tu vas lui demander de signer, hein. Déjà, ça nous fera une voix. Ah, j'avais laissé la... Bah ouais, mais elle est pourrie maintenant, la salade de fruits, jolie, jolie, jolie. C'est moi qui fais le ménage pour elle, je suis sympa quand même. Oh, le dernier bouquin, il ramène quand même pas mal de tunas. Vas-y, tu peux manger. Ah, tu lui as pas dit que t'étais enceinte. Il est peut-être assez bête pour pas le voir. On sait pas. Ah, en 1880, ah, je suis dans le Decade Challenge. Je mets jamais de thermostat. Je l'ai jamais mis. Salade de fruits pourri, pourri, pourri. C'est ça. Allez, mange tes pâtes. Ouais, c'est la fête. C'est la fête, je fais tout ce qui me plaît. Oh non, allez, il va se gratter. Tu vas voir, je vais te gratter aussi, moi, tu vas voir. Alors, tu vas tout vendre. Faire évoluer. Voilà, faire évoluer. Ça, c'est cool. On fait enfin et faire évoluer. Et puis, on va lui faire faire un peu de yoga. Il risque d'avoir un peu froid, mais... Voilà. Pieds nus sur la neige, ça doit faire froid. Ça doit pas être très agréable. J'avoue que les Sims font les surpris alors que la meuf a un bit pré-explosé, c'est ça. Ah, mais tu faisais pas d'aérophagie, chérie? Et non. Comment vont Saucisse et Roger? Oh, alors, tu vas aller jouer avec. Tu vas jouer avec. Rassasié, ouais. On n'a pas faim. Ok, bah tout va bien alors. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Mais en plus, t'as l'air shooté, meuf. Non, on veut pas de toi. Tu vas prendre le courrier aussi. Peut-être que c'est ton cliché. Ah bah voilà, il est tout zébré. Vous arrivez à faire ça, vous? Je peux pas. Un soin de Roger, t'inquiète pour l'instant. Ben, Roger, par contre, il s'est engagé dans la pègre. On a reçu un appel comme quoi il était recherché par les flics. Okay. Enfin, pas par les flics. Par un mafioso. Si on dit par mégarde à une femme qu'elle est enceinte et que ça n'est pas le cas, c'est pire. Oui, j'avoue. Ouais, mais ça se reconnaît quand même, le bide d'une femme enceinte. Après, si c'est un petit ventre, ben, tu sais pas, ben, tu dis rien. T'attends. Si dans 2-3 mois tu la vois avec un bide encore plus gros, tu comprends. En même temps, il y a des meufs, est-ce qu'elle reste tellement tout le temps le bide que tu comprends, hein. Tu vas dire, c'est soit elle aime beaucoup se toucher, soit elle est en cloque. Non, ne meurs pas de froid, je vais encore avoir besoin de toi. Il y en a, elles font que se toucher, là, laisse tomber.
Alors, on va écrire un livre de genre... Scénario. Si vous avez des titres, n'hésitez pas. Salut le Nico, comment tu vas? C'est la vieille toxico du quartier. Moi aussi, j'avais fait une ou deux séances avec des vidéos YouTube, mais ça m'avait flingué les poignets, t'avais pas idée. Bonne nuit Quentin, déjà, à 8h. Ça va bien le Nico, ça va. Ma femme enceinte, oh mon Dieu. Ouais, c'est un scénario. Hein. Moi tu me diras, ça peut être un scénario de film catastrophe, effectivement. T'as essayé un cours de pilates. Les pilates, c'est comme de la gym, quoi, un peu, non? Ça s'appelle pilates, je sais pas pourquoi. J'aime bien Roman. Vous avez entendu un boom, ça venait de mon plafond, évidemment. Hop, c'est parti. Ah mince, Sean, hein, juste un poil trop tard, il est très bien. Petit chemin pour bien voir, chemin. Ils sont pas mal. Oui, donc on a une toilette qui est grassaille. Ça va, on a de la thune, ça va. Fais la vaisselle, toi. Ah non, toi, fais la vaisselle. Cuisine. Laisse Chamallow, il doit se concentrer pour son livre. On en profite, aujourd'hui travaille pas, bah il va travailler sur ses compétences. Ah mais t'es relou, tais-toi! Mais qu'elle est relou celle-ci. Mais laisse-le tranquille et... Ça y est, elle a ses chaleurs là. Mais elle est enceinte, elle peut pas. Elle peut pas courir. Tu sais bien que les femmes enceintes sont indestructibles, mais ne peuvent quand même pas faire certaines choses. On va t'occuper de ta gosse. Rends-toi utile. Ouais. On ne doit pas atteindre le niveau 10, mais... Voilà, bah, t'as le niveau 3. Dans ce temps-là, elle lâche la grappe à... J'allais dire à Pulco. Oh là là. À notre ami Cham Cham. Les pilates, c'est une sorte de renforcement musculaire des muscles profonds. C'est pour muscler le périnée. Ouh, c'est intéressant, dis donc. Le périnée, c'est pas un pays. Je plaisante. Eh ben, Alexandra, elle courait bien avec un chat dans les bras. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Et non, mais c'est pas parce qu'on a pris un vieux en photo qu'on va tous vous prendre en photo, hein. Mais te barrer, hein, avec ton look là de émo gothique du vieux là, non? Ah, la cage est dégueulasse. Là aussi. Il y a ça, Roger, j'allais dire Sam et Saucisse, mais c'est Roger et Saucisse qui sont fatigués. Qui est mort? Ah, c'est ta sœur, c'est bon. Tu peux répondre. Comment elle va, la petite Sakura? Elle a pondu? Bah non, même pas. Bah dis donc, qu'est-ce qui lui arrive? Alors, on est avec Pulcott. Pepper est ici. Voilà, l'arbre généalogique, hein, je fais un petit point à chaque fois. Oh, bah dis donc! Il n'y a que notre petit Cham Cham qui s'est reproduit. Les enfants de Sunset, Aurore et... non, c'était Aurore? Sunset et... Automne, pardon. J'aime bien que ça commence par O. Et Fox ne sont pas encore reproduits. Bon, en même temps, Fox, il a eu une petite fille qui est vraiment toute petite. Hein. Ouais, pour l'instant, ils sont pas encore assez âgés, on va dire. Ok. Il n'y a que notre petit Cham Cham. Il a bientôt fini. Ah là, il a écrit tout un livre. Mais c'est merveilleux.
un éditeur. Hop. Et après, on va préparer le dîner pour pouvoir... Tu vas préparer un grand repas pour le dîner. Une dinde. Et après, on va... On va inviter les gens, hein. Ben, les gens, s'ils veulent bien venir. Tant qu'ils crèvent pas sur notre palier, j'ai envie de dire. Sakura a répandu des ragots juteux sur Kennedy. Mais qui est Kennedy? Voilà. Ah, Dahlia pleure. Ah, va voir ce qu'elle a. Non. En ce temps-là, il y a un marathon qui se court au-dessus de ma tête. Je vais prendre une petite photo. C'est pas un spoil parce que c'est notre bébé numéro 1. Donc ceux qui auront vu la semaine dernière, ils seront pas spoilés en disant « Ah, c'est encore une fille !» Bah en fait, non, parce que c'est... Si c'est la miniature, évidemment. Vous savez bien que je fais les miniatures en direct avec vous. Oh, hum hum. Oh, hum hum. Ambuya. Ouais, il y a déjà eu une coupure tout à l'heure. Salut Gomeya, ils font des bébés auto les Sims que tu contrôles pas. Oui, tout à fait, parce que j'ai le MCC. J'ai le MC Command Center qui fait que... Donc du coup, ils font leur vie. C'est bon, elle est en train de faire à manger. On va pouvoir... commencer la soirée 18h. Un petit événement social, un petit dîner privé. Pour fêter le nouvel an. Alors, un dîner. Bien sûr, nous sommes les uns, voilà. On va inviter ben, Amy, même si ça n'a pas marché entre nous. Anaïs. Alors, Automne, Sunset et Fox. Sakura. Remboursé. Je voulais imposer la pub aux autres, moi. Ah, ben écoute. Écoutez, on va pas inviter que des vieux, parce que sinon... hop. Et bien sûr, à la maison. Voilà. Alors, t'as pas intérêt à taper dedans, hein. Je te vois. Je te vois. T'as fait quelque chose de bon, ou moins? Pourquoi je le vois pas? C'est un normal, ok. La dindelo. La dindelo. On avait mis de la musique dans cette maison. Je voulais qu'ils mettent la musique pour danser, mais en fait, non. Il n'y a pas de musique. Non, c'est pas grave. Ah bah, dis donc. Appelez. Ah, tiens. Tu as failli être madame. Mais t'as été trop chieuse. Bien fait. Oh là là, le gros cul d'automne. Suffit, hein. T'es mini, hein. Allez, venez tous à l'intérieur, vous allez crever, sinon. C'est la tempête. Où on sait la tempête? Alors, bah, tu vas pouvoir remercier d'être là à tout le monde, hein. Voilà, c'est sympa. Ils sont tous shootés. Hein, ils sont tous shootés. C'est super. Attends, c'est son collègue? Chante ta chanson de jour férié, merci beaucoup. Titi Chris pour ton follow, bienvenue à toi. Je pense que les gens pensent que c'est une pub pour eux. Bah je pense pas, non, pourquoi? Moi il écrit, hein. Oula. Ah, Foxy Foxou, il est là. Bon, il a trop de trucs déjà. Mais elle tape déjà dans la bouffe. Mais t'es une saleté, quoi. Oh. Tu penses qu'à ta tronche, toi, hein? Oh, bon, ok. Bah, écoute, annonce le grand repas, parce que de toute façon, il y a tout le monde qui tape dedans, donc... Au moins, que tout le monde mange, voilà.
Oh, et lui, il a son petit verre, là. Oh, la classe. T'as annoncé le repas? Mais qu'il est beau tout en blanc. Bou, 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 bou. Ça y est. À la bouffe! La dinde est servie! Et c'est pas de moi que dont je parle. Elle est pas là, sa sœur. Elle est peut-être. Elle est là! Elle est là dehors. Cette idiote. C'est cassé la gourde. Allez, viens, Sakura! Allez, t'as deux pas à faire. Bravo! Ah, ça va mieux. Oh, ça fait plaisir, regardez tout ce monde qui mange. Oh, c'est mignon. Lui, il mange pas, par contre. Vas-y, prends une portion. Non, il préfère picoler. On dirait qu'automne, elle est encore enceinte. Mais non. Oh, Filou, tu sais, si tu savais, hein, ton portrait a très très bien marché. Oh, eh bien, on a la duchesse qui est toute zébrée, là. On va dire... Ah, tu connais pas Sakura. Voilà. Mais pourquoi elle peut pas leur parler à certains? C'est bizarre. Tu peux lui... Ouais. Je peux rien lui dire, toi. Allez, ils vont mettre la télé, hein. Parce que, hein, il n'y a rien de mieux que de regarder la télé, soir de nouvel an, hein. Et salut, Banner, comment tu vas? T'arrives pile pour le chouchoubi, là. Oh, lui aussi, il est malade, maintenant. Allez. Elle est bonne, la dinde au tofu, mon petit Foxy. C'est bien. Et pourquoi mon événement, il est parti? On n'est plus au réveillon. Ouais, il se régale, hein, Fox. Oh, laisse tomber. Tu peux discuter des tendances mode et puis Mais tu t'es toujours pas présenté à ta belle-sœur. Oh, t'es chiant, toi. Ouais, bah écoute, fallait pas te lever aux aurores, meuf. Hein. Allez! Allez, tu peux dire que t'es enceinte, ça lui donnera peut-être des idées. Madame la Duchesse avec sa fourrure, pardon. T'as raté quoi? Pas grand-chose. Il a fait deux bouquins. Et ça, c'est le nouvel an. Bébé 2 est dans le four. Tranquille. Ça va, elle était rapide. Comment je fais pour un arbre généalogique? Ben, tout simplement parce que j'ai fait des enfants qui ont fait des enfants qui ont fait des enfants. Il suffit que tu ailles sur la petite tête de ton Sims et c'est ici. La généalogie, tu cliques là et t'as toute sa généalogie. Donc là, nous, on est là avec son enfant, sa sœur et ses prédécesseurs ici. Voilà. C'est une petite branche. Hein. Toute petite branche. Voilà. Chouchoubi! Ah oui, 22h. Hein. Chouchoubi! Ah ouais, tu peux pas te taper une sieste là cet après-midi. Tu peux aller pisser, ça sera déjà fait. Et tu feras la vaisselle parce que tu as la cuisine! Elle va tomber le cul, les fesses en l'air, je suis sûre.
chouchoubi tout le monde. C'est ça, ça va être chouchoubi time. Ah. J'ai eu peur qu'il allait s'occuper de la gamine, mais non, ça va. Ça va, du coup, la petite, elle est juste là pour s'en occuper. Ça va aller plus vite, hein. Il y a beaucoup de roses dans cette maison. Je parle pas que parce que c'est une maison rose. Mais bon, Chamallow a les cheveux roses, Sakura aussi. Mais lui aussi, puis il est rose. Elle, elle a du rose. Elle, elle a du rose. Il y a beaucoup de roses quand même, hein. C'est sa nourriture. Ah. Wouhou! Oh, ça c'est tous les trailers des Sims. Oh, regardez! Il y a des chiens qui crient à la lune, les loups-garous sont en train d'arriver sur les Sims 4. Chouchoubi YouTube. Je l'ai vu! Vous avez vu les loups? On a eu encore un scoop! Les loups-garous arrivent! Pluie de confetti bande de table. C'est ça. On a même Daft Punk qui est là pour nous faire... Regardez! 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 Les loups-garous arrivent dans les Sims 4! Ah ça y est, chouchoubi. Chouchoubi. Elle est partie se coucher, la duchesse. Oh. Tu regardes pas, Cham? Oui, chouchoubi, tout le monde. Chouchoubi. Tout le monde se casse. Bah, j'ai eu des parties où ils se faisaient des câlins et tout. Bah, là, ils ont même pas de câlins. Ouais, c'est le Covid, hein, c'est vrai en même temps. Les bambins aussi. Oui! Spoil! Nous allons voir les bambins dans les Sims 4. Incroyable! Avec les fées. Oh, on va avoir plein de choses. Les feux d'artifice, les bambins, les loups-garous. C'est tout. Et vous le saurez grâce à moi quand même. Ça qui est incroyable. Récompense gagnée, ouais! Ouais, tout le monde se casse, cassez-vous! Toi, tu vas parler à ta fille et tu vas la serrer dans tes bras au cas où elle aura besoin d'un truc. Et buvez vos trucs, hein! Bande d'alcoolique notoire! Ouais, elle est partie se coucher. Elle était vannée en même temps. Voilà, on a fait un petit dîner tranquille. T'es pas une banderole pour rien, non, c'est ça. C'est le travail de la banderole, de vous dire des choses exclusives, bien sûr. Ah bah, ils sont à fond, hein. On a un hamster qui est parti en fusée là. Je sais pas où il est, mais il est parti en fusée. C'est Roger qui est parti en fusée. Oh bah ça alors. Incroyable. 3, 2, 1, go. Fascinant, Roger semble mener des expériences sur la vitesse de libération dans son habitat. C'est n'importe quoi. Bon, t'arrêtes de regarder la télé. Allez, va t'occuper un peu de ta fille. Un petit pipi au lit. Hein. Ah, il reste un peu de bouffe, je vais les mettre de côté parce que pour le manger. Ah, Bichette! Ah, t'as fait de la merde. Oh, qu'il est mignon. Oh là là, qu'il est mignon.
avec sa petite Fifi. Roger explorateur de l'espace, c'est ça. Je pense qu'il a vu mon let's play avec Iowa, il a dit mais moi aussi je veux aller dans l'espace. Faire un bonhomme de... Non, en fait, tu vas pisser et tu vas te coucher. Ça d'ici que de 2 minutes, la petite gueule, eh ben, ce sera sa mère qui va se lever. Elle se sera reposée. Ça te gratte les couilles? Ah ouais, bah, ça existe. C'était horrible. Tant que ça, Marina, horrible. Ah, j'ai invité du monde et tout. Ouais, non, mais c'était horrible. Pff, écoutez... Je l'avais dit que la gamine allait pleurer. Je l'avais dit... La 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 la. C'est vraiment les mêmes. Ils sont toujours chiants. Ça va nettement mieux quand j'enlève le casque. Hein. C'est l'anniversaire de Dahlia. Est-ce que le temps peut passer vite? Incroyable. C'est incroyable. Ah, des nausées. Hein. Ça pue la clope. C'est pas moi, je ne fume pas. Mais qui c'est qui a fait le ménage? Il y avait plein de jouets. Si vous avez entendu une porte, du bruit, c'est bien sûr, vous avez deviné, au-dessus. Vu que nous sommes en plein couvre-feu, c'est logique. Saucisse a très faim. Sans nourriture, ce rongeur pourrait très bien ne plus tenir très longtemps, biquette. Bah, il va attendre demain matin. Hein. Roger a très faim. Mais c'est quoi ce hamster de merde là? Mais t'étais parti dans l'espace toi, d'où ta faim? Mais Saucisse n'a pas survécu, mais pourquoi? Est-ce que vous avez un autre nom? Parce que Saucisse est mort. Faut pas le dire aux enfants, ils vont être traumatisés. Mais non, mais sérieux, il est mort 2 minutes après, wesh, c'est quoi ce délire? Oh non! C'est pas possible, quand on te dit que Hamster a très faim, tu vas dans la minute, mais c'est ça? Ça va? C'est quoi? Moi, dans le Decades, ils étaient pas crevés aussi rapidement, hein, c'est pas vrai, hein? Merguez. Knacky. Ketchup, merguez, saucisse 2. J'ai pensé à saucisse 2, mais salut Guillaume, comment vas-tu? Chipo, ah oui, chipolata. Attendez, on passe de saucisse. Allez, on va faire merguez, et puis on verra bien ce que ça... Hein? Merguez, c'est pas mal. Voilà, merguez, pour l'instant, va bien. On a été... on s'est dérangé pour aller nourrir Roger, parce que, ben, Roger, on veut pas qu'il claque, hein. Ce serait dommage. Bah écoute, je suis triste, hein, Guillaume. Saucisse vient de mourir, donc. Mais non, il n'y a pas de hamster qui s'appelait Saucisse quand t'étais petit. Non, c'est pas vrai. Il s'est toujours appelé Merguez. Pendant 10 ans, il s'appelait Merguez, d'ailleurs. Ah oui, quand même, le petit moudelette, mon rongeur me manque. Mais il arrêtait pas de te bouffer le pif. Elle braille là. Je suis obligée de couper le son. Un prénom que j'ai proposé était choisi. Ah, j'ai pas regardé qui a dit quoi, mais c'est vrai que Merguez était plusieurs. On reste dans l'ambiance saucisse, Merguez, Chipo. Chipo, c'est pas mal pour le prochain. S'il crève, si Merguez crève, ce sera Chipo. Je viens de prendre 3 cages à hamster par génération rose et je m'en sors plutôt bien. Bah écoute, s'il y a faim, faut y aller tout direct, hein, parce que sinon... Regardez-moi ce bidou. Oh! Avec tout le monde que j'avais à la maison, j'ai oublié de faire le plan d'action.
Mes Shirley. J'étais avec le nouvel an. Bah, tu vas réinviter, hein. Ouais, tu vas inviter Anaïs, tu vas inviter ta sœur. Oh, fuck. Allez, Philippe, il a l'air sympa. Y a pas un... Si, y a un miroir, là. Viens. Tu me saoules. Tu feras la cuisine. Bah, elle est pas contente parce qu'elle a raté le jour de l'an, sauf qu'elle était se coucher. Elle est bête aussi. Elle est bête, celle-là. Oh, putain. Voilà. On est toujours triste, hein. Ben Arla. Oh, Aribe. Oh, Uchima. Ah, Wasibis. Uminu. Atoya. Nous, quand t'auras envie de t'activer. Ah, droit d'auteur. Ah, alors femme enceinte ne fait pas mieux que le jour où j'ai perdu mon père. Ne vous inquiétez pas, hein. Merguez a exactement le même comportement que Saucisse. Hein. Merguez continue de se frotter dans le sable. Et à être heureux. Ah ouais, je kiffe. Ah ouais. Ah, ah ouais. Ah. 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 Ou alors il est coincé sur le dos, on sait pas. Oh, Philippa. Philippe Sanchez, est-ce que tu veux une chaise? La 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 la. Voilà, ça c'est bien ça. Alors, ça c'est bien. Ah, en fait, tu fais quoi comme taf? Sinon, tu veux signer mon abrogation? Oh là là, Sakura! Brr, 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 regardez-moi ce cul! Mon dieu! Ah, Germaine, oh! Enlace tendrement. Signe-moi mon abrogation! Fiche-toi diantre! Ventre Saint-Gris! Ah, c'est les boobs, elle aussi! Ouais! Les obules, machin! C'est l'abrogation d'un coupeur d'eau. Oui, tout à fait, Elisa! Ça me saoule! Ça me saoule, la coupeur d'eau! Ah, c'est bon, tu nous saoules. Casse-toi. Allez, vas-y, tu peux te barrer. Tu occupes un peu de ton enfant? Oui. Bien, moi, je te laisse faire. Hein. Ah! Sakura! Biatch! Il est où, Filou? Où est notre Filou national, mannequin pour dame? Je ne sais pas. Il a dit qu'il allait venir, mais je le vois pas. Eh, mais Sakura, c'est une... Hein? Wax next! Vas-y, vends-toi ta profession. Fais une blingue. Non, parce que si elle veut pas signer, elle sert à rien en fait. Bon, il faut qu'on trouve d'autres personnes dans le coin. C'est bien sûr à ce moment-là qu'il y a personne qui se balade. Ah, il y a des... Jean-Eude, comment tu vas mon pote? Ah, et comment il s'appelle déjà lui? Momo. Il y a Momo. J'ai dit, tu vas te présenter. Poliment. Pas polydent, c'est poliment. Qu'est-ce que c'est ça? Du nigiri au thon. Putain, il y a un seul. Allez, Cham. Il arrive.
C'est normalement le fiancé de ta copine. Enfin, de ta copine, ta sœur, pardon. Vas-y, partage des... Oh non, bah non, t'es plus célibataire épanoui, qu'est-ce que je raconte? Illumine la journée. Et, l'abrogation. Alors, remarque, elle est là, elle aussi, on la connaît, donc ça peut être bien. Imprévisible. L'abrogation, vite, parce que t'as autre chose à foutre. Moi, je pourrais le faire avec elle, hein, tu me diras. Merci, Jean-Eude. Tu es bien sympathique. Hop, on va demander à Momo. Momo Hiro. Piel. Ouais, il connaît un petit peu quand même pour se permettre de... Allez. Pêche. Dedans, on dirait Kyle, ouais, un petit peu, ouais. Sakura la connasse. Sakunasse. C'est Sakunasse. J'ai trouvé un stage content. Bravo, Guillaume. Yes, elle signe. Il a signé, lui, ou pas? Ah, je crois que je peux pas refaire signer. On est à combien de signatures en vrai? On a, je sais plus comment on fait pour savoir. Toi, on te connaît pas, mais vas-y, on va se présenter. Eh, j'ai dit. Alors, elle aussi, c'est une. Je crois que c'est une création de quelqu'un du. Qui suit, quoi. Comme ça, il sera content de voir sa Sims. Alors, on te connaît pas beaucoup, mais c'est pas grave. Est-ce que tu veux bien signer l'abrogation? Stop. Stop, stop, stop. Ouais, c'est bien, on s'en fout, tais-toi. On n'a pas avancé sur les compétences aujourd'hui, là. Zut, hein. Même pas un niveau. Allez, je t'en prie, je crois que t'es la dernière en plus. Yes. Merci beaucoup, la la la. Ah bah il est là, lui. Vas-y, viens. C'est à cette heure-ci que t'arrives, chefilou. Et toi, t'as cassé le truc. Hey. T'as reçu ta photo? Ah oui, elle a reçu la photo. Allez, on va mettre le pigeon volant. On va mettre Filou en pigeon volant pour la mettre sur Internet, sur Instagram. Alors, ah, oh, d'accord. Imite ton patron, illumine sa journée, et j'ai encore de quoi faire. Au pire, hein, on a une signature de plus, même. C'était la tienne, la piclou? Eh, mais c'est fait pour. Filou, tu vas devenir une star. Une star de Instagram. Tu peux pas tricoter des bonnets. Ah, bah tu vas tricoter un. Reprends le tricot, hein, du bonnet. Hein. Ça courage, c'est clair. Internet adore la photo de Marina Muller et le client se réjouit de cet accueil positif. 145 j'aime. Oh, Filou, tu es une star, je te l'ai dit. Je l'ai vu tout de suite sans toi. Oh là là, qu'est-ce que tu es beau, tu es fort. Vas-y, tu vas frimer. Je crois que je peux plus. Sacrenario. Non. Voilà. Votez pour les plans d'action. Qu'on vote sur quelque chose qui pourrait être mieux que ce qu'ils veulent voter. Oui, la brune, celui qui avait la crête. Ah, c'était... Ah, pardon. Ok. Je l'ai vu, celui avec la crête, mais on l'a pas... Ah, oups. Alors ça va être Jarté. Hein,
Ceci sera abrogé à la fin de la période de vote. Ça, c'est bon, ça. Alors, qu'est-ce qu'on met? Partage total, allez. Qu'est-ce qu'on va mettre? Les arts créatifs, allez. Je préfère ça encore qu'autre chose de chiant, en fait. Hein. T'étais pas censé tricoter, toi, en fait? Voilà, il est tout fier, il est tout content. Oh, Jean-Phi aussi. Ah, Jean-Phi, il est venu bouffer. Après, tu vas écrire un livre de genre motivation. Si vous avez un titre pour de la motivation. Bah, c'était quoi tout à l'heure, vos titres? Bon, est-ce que c'est motivant? Je sais pas, mais... Ouais, il a même pas fini son assiette. Vous êtes super, hommage à vous-même. Soyez fiers de votre parcours. C'est pas assez de votes si tu es sûr. Non, mais les autres ne votent pas. Donc logiquement, il n'y a que moi qui vais voter. Ah, plus de points. Non, ça va. J'ai désactivé dans toutes mes parties parce que ça me cassait les noix. La balance une fois par an. Allez, motivation, 10 méthodes. Hop. C'est quoi la balance? Trop tard, j'ai copié-collé, il y aura une faute. Hein. Déjà que j'ai rectifié le 10 méthodes avec un S. Tant pis. Tu penses à qui? Tu penses à ton père? Parce que là, si tu penses à Pulco, c'est beaucoup trop vieux. Tu t'en souviens pas de Pulcote? Comment elle tricote, elle? Tu vas te crever un œil? Madame la Duchesse! Oula, oula! Oh la violence, comment il s'est claqué la tête! Ouais, projet de tricot terminé! Youhou! Tu peux aller pisser, tu peux aller manger, tu peux aller te laver, tu peux tout faire, Germaine. On focus un peu sur lui parce qu'on n'a rien gagné. Ah, voilà, au moins niveau 7 de la compétence écriture. Je vous rappelle que nous devons donc avoir un niveau 10 en écriture et en bien-être pour cette génération. Ainsi que une carrière à changer quand il deviendra adulte et un jardin bien entretenu. Voilà, et une aspiration. Pour l'instant, on est sur la bonne voie de l'aspiration. On doit écrire 5 bons livres, on est à 3 sur 5. On est pas mal. Shamshan dyslexique. Bah écoute, hein, il sait pas écrire. Il fait des fautes d'orthographe, c'est tout. Après, lui, c'est pire. Il écrit un livre en une après-midi, t'imagines? Il est écrivain, ça me rappelle quelqu'un. Ah ouais. Pour l'instant, il travaille dans les affaires. Après, il changera. Le PES Person, oui, je suis nul pour les titres. Ah oui, le PES Person, d'accord, j'avais con. Ouais, j'étais pas sûr. J'étais pas sûr que ce soit le nom du livre que tu me proposais. En ce temps-là, Thierry, on dort toujours. Ce chat est feignant. C'est pas comme ça que t'écris un livre? Bah non, moi non, en tout cas, parce que je l'ai pas encore écrit le mien, mais un jour je l'écrirai. En une après-midi? C'est peu, c'est short quand même. Hein. Festival, c'est dans une heure, bah tant mieux. Ouais, Filou, casse-toi. Arrête de nous déranger, là. On travaille. Bébé pleure, Marina. Suffit. Cuisine. Chamallow a terminé d'écrire un livre. Il est à 4 sur 5. Monsieur, super. Tu vas vendre un éditeur. Mais ils partent pas. Et, partez un peu. On veut de l'intimité. Ouais, c'est ça. Oh, regardez-moi ce ventre. Vache.
Bonjour. Où êtes-vous ? Après, elle va bientôt accoucher, là. C'est à 3h du matin, je crois. Waouh ! Vedette débutante ! Mais tu es trop fort, hein, moi, petit ! Allez, tu vas me faire un petit pipouze. Marina. Marina, elle a démissionné. Attends. Et pourquoi t'es bloquée ? Reprendre. Ouais, t'es buggée. Clac. Tu vas me faire un pipouze aussi. Et puis dodo. D'ailleurs, la petite, faut qu'elle grandisse, là. Non, parce que j'ai pas de place, sinon. Normalement, elle devrait grandir un petit peu... Ou c'est plutôt à 3h du matin que Dahlia va grandir, et le deuxième va arriver à 5. Je sais plus, en vrai. Pour mon avis, je suis au même niveau que toi, sauf pour les enfants qui, eux, sont enfants et un qui est ado. Oui, bah... Tu vas plus vite que moi, c'est normal. Si je jouais tous les jours, j'irais plus vite. D'ailleurs, comment va Merguez ? Ça va. Par contre, toi, va jouer avec Roger. Voilà. T'as envie de... Bah, vas-y, tu peux... Vas-y, regarde la télé un petit peu. 22h15. Je l'aurais bien voulu... Mais je t'ai dit regarder la télé ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? 3 fois maintenant. Alors, autant faire la vaisselle, je comprends qu'il faut vous y reprendre à plusieurs fois. Mais regardez la télé. Tu t'assois et t'es là. Qu'est-ce que c'est que ça encore ? Non. Dégage. Casse-toi. Nous, on veut pas de vieux. La vieille au chat. Oh non ! Mais elle est malade ! Elle fait du jonglage avec des chats ! Je vais la foutre au bûcher, celle-ci, hein. Oh, bon, non. Ah, bébé pleure. Viens, papa, viens changer la couche de ta fille. Ouais, elle va pas faim. Donne-lui un bibi, comme ça, au moins, elle va se taire un peu. Voilà. Non, elle voulait pas, bah tant pis. Allez, go, dodo. Et bébé numéro 2 va pas tarder. En attendant que bébé numéro 1 grandisse aussi. Je vois que tu es comme moi. Ton Spain est encore là. Il y a des décos sur les murs. Ah, le sapin. Le Spain. Mais parce qu'en fait, c'était le nouvel an. Donc je l'ai laissé. Mais là, c'est le printemps. Donc effectivement, je vais le jarter. Hop. Je poutre. A pu, comme ça c'est fini. Alors, ah ouais, sa soirée Netflix, oui, mais ça date de Nunu, ça, je l'ai pas enlevé. Ah ! C'est une rouquine ! Attendez, est-ce que les rongeurs, il se passe un truc là ? Rave de rongeurs, était-ce de la musique dans l'habitat de Roger ? Ce rongeur est la preuve vivante de l'incroyable évolution des petits animaux depuis la danse des hamsters des années 2000. Sakura a envoyé un cadeau chamallow est attendu, Marina est attendue. Oh, les grandis, la petite bichette. Dahlia. Ouf, la tête. Oh, oh, oh. Et c'est des yeux verts, une rousse aux yeux verts. Bon, bien sûr, elle sera pas rousse. Hein. C'est parce que ça veut dire qu'elle a, bah, de toute façon, vu que les deux parents ont les cheveux roses ou lavande, ben, forcément, c'est obligé. Les chouquettes, ça va bien roux. On peut pas garder roux. 1, 2, 3, elle sera curieuse. Et elle pleure déjà, allez. Ah oui, quand même, elle a quand même conscience que Saucisse est mort. Elle l'a jamais vu depuis son berceau, mais Saucisse étant mort. Pourquoi je t'entends pas ? Pourquoi je t'entends pas ? Ah, si, ça y est. J'ai cru qu'elle était muette. La première enfant muette des Sims. Mon petit saucisse me manque. Ah, je veux de la saucisse. Ah, mais il y a merguez, et la merguez, elle picote. Oh, ça peut être bon, de la merguez. Je verse, ça tombe bien, la prochaine génération est verte. Ah, bah non. Elle est pêche. De toute façon, donc on s'en fout.
C'est Bibendum, par contre, non. Ah, que t'es mauvaise, Marie. Regarde-moi cette pauvre petite chouquette. Hein? Oui, bah écoute, elle a bien été nourrie. Bah, c'est elle a trop de foufou, c'est pour ça. Ah! Je commence déjà à me casser les noix. Premier, de toute façon, premier pleur, il me saoule, les gosses. Alors, ça, c'est fait. Bon, t'accouches quand, toi? Non, pas longtemps. Oh, puis, oh là là! Vas-y, va pisser, tu vas peut-être mettre bas dans le chiotte, on sait pas. La tête la première, le gamin il va bloquer les canalisations. Ma génération pêche, tu vas mettre les cheveux de quelle couleur? Je ne sais pas. Après la génération pêche, je veux dire. Oui, donc c'est pas maintenant. Parce qu'on sait pas si ce sera elle qui va être héritière et du coup on sait pas si elle pourra éventuellement retransmettre les yeux, tu vois. Vas-y, t'as tout cassé là. Bon, ça y est, faut que tu bouffes. C'est à quelle heure que tu mets bas? Ça va pas tarder, il va y 4h30. Je crois qu'on avait enchaîné. Il y a encore des trucs de chez Copper? Ouais. Oh, qu'elle est mignonne. Elle est coquette quand même. Après, est-ce qu'on garderait pas un petit roux, un roux? Je sais que c'est exactement le même roux que Copper, mais en vrai... Moi, j'ai pas envie de mettre de CC. Et pêche, ça reste du orange, donc en fait... J'ai eu peur. Merci beaucoup, Captain, pour le host. Merci beaucoup. Bah, c'est ce que je m'étais dit, que j'allais mettre des blonds, en fait, mais c'est pas quand même pas la bonne couleur, quoi, donc je sais pas. Alors j'aurais Copper, j'aurais dû mettre le roux plus foncé. Je sais pas trop. Pour faire une différence. De toute façon c'est trop tard, Copper c'est fait déjà. C'est à la fin. Ah je vous jure les gosses. Qu'est-ce qu'on va te faire manger? Tiens. Mange ça. Substitut de dinde au tofu. Alors, Martial ou Marie, pouvez-vous me faire une prédiction? Jumeau, pas jumeau? Jumeau, oui ou non, quoi. Pour le bébé numéro 2 qui va sortir. Laisse-la, tu vas pisser. Ça y est. Parce que je vais pas mettre garçon ou fille, parce qu'imaginez que c'est des jumeaux et que nous avons les deux sexes, bah ce serait triste. Bah c'est pas dans le chat qu'il faut le dire, hein. Ce sera dans la prédiction, j'attends qu'elle soit lancée. Passer un savon, bah non. Ça y est, le début des prédictions va commencer. Tu vas réconforter ta petite biche peut-être, avant. Attends, elle ira bouffer après. Tu peux venir, Cham-Cham? Tu vas être papa. Il n'a pas encore capté, regardez. Je dis oui, pourquoi? Qu'est-ce qu'on m'appelle? Ça y est. J'aime trop sa tête. J'aime trop leur tête. Oh! Mon Dieu! Encore un autre! Qu'est-ce qui nous a pris? Faut mettre des capotes! C'est bon, la petite, elle va manger? Les prédictions sont donc lancées! Non, c'était pas jumeau ou jumelle, c'était jumeau ou oui ou non! Ah, il y a oui ou non! Je pensais que c'était jumeau ou jumelle! Ah! Donc vous choisissez. Bah, si c'est des jumeaux ou si c'est pas jumeaux. Mais c'est pas clair. Alors, c'est parti. Ah non, c'est pas lui qui va accoucher, c'est elle. Mais qu'est-ce qu'il a, lui? Pourquoi il est triste? Oh, ça va. Tu veux faire un câlin à Blarfly? Je me mets toujours en cette vue-là. Comme ça, on a le... Ah mais moi j'avais pas vu, j'avais juste vu le titre jumeau jumelle, donc j'ai dit bah non c'est pas ça en fait. C'est soit jumeau, soit pas jumeau en fait. Ça y est, c'est parti.
Garçon ou fille? Alors, ça on prévoit pour les prénoms, hein. On a déjà utilisé Dahlia. C'était une fille. Pour les garçons, nous avons trois prénoms. Comme ça. Après les filles, on en a encore quelques-uns. T'es Kat et Shirley, je suis de ton côté. Bah, j'espère que c'est encore une fille. J'espère que ce sera une génération de filles, parce que ça fait longtemps. Il y en a marre. Et c'est une fille! Ta 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 ta. On va pouvoir faire donc un petit vote pour les prénoms. Le prénom. Alors, bon, la dernière fois, c'était donc Dahlia qui était contre Melba et Persica. Je pense qu'aujourd'hui, nous allons mettre Melba encore dans la sauce. La sauce Melba. Avec Persica et Alva. Voilà, c'est tous des prénoms en A. On m'a donné les correspondances. En fait, Persica, c'est le nom d'origine de la pêche. Alva, je sais plus. C'est dans une certaine langue que je crois. Je sais plus, en vrai. J'avoue, je ne sais plus, mais j'ai pas vérifié derrière. Mais Alors, Alva du latin, Alba blanche. Ah, alors Alva veut dire aube, première lueur du jour. Comme on avait déjà utilisé sunset et automne et tout le tralala. Et on était sur aube, parce que la couleur de l'aube, en fait, c'est un petit peu orangé. Persica féminin, littéralement, pêche. Donc, voilà. Et c'est donc Melba qui a gagné. Cette petite fille s'appellera donc Melba. La pauvre. J'ai peur. Je sais pas pourquoi, j'ai stress. Ah, il n'y en a qu'une. Oh. Ah, ce ventre qui s'est... direct comme ça. Oh là là. On peut s'arrêter là, il y a deux filles. C'est bien, non, pour... C'est bien pour la prochaine génération. C'est bien. Ça... Et on n'a pas eu de jumeaux pour cette génération. C'est pas normal. Persica me fait penser à du persil. Pourquoi pas, après tout. Et oui, pour la prédiction, c'est donc un nom. Qui a donc, par les détails, vous avez gagné 25 000 points. Bravo! J'avais oublié qu'il y avait une prédiction en plus. Tout va bien. Eh ben, tout va bien alors! Et lui, il bouffe son truc. Elle, eh ben, tu vas déambuler, toi. Vas-y, va faire du sport. Non. Ah, elle a grandi. D'ailleurs, je suis étonnée que le truc a fonctionné alors que la petite avait grandi. C'est vrai qu'elle a des sacrés jambons, hein, Dahlia, là. T'as des sacrés jambonneaux, ma petite. C'est horrible. Quoi? Qu'est-ce que j'ai encore dit? Crotte, je... Encore pas vu juste. Ah mince, je suis désolée. Et merci Alex pour le follow. Alex 60370B et bienvenue à toi. Oui, oui, je sais que d'aller à Vigne, on va le savoir. Qu'est-ce que tu fais toi avec Roger? Bon alors, vous allez nous en faire un petit troisième là? Vas-y, allez. Ouais, ils enchaînent. Mais ce sera mieux pour pouvoir les départager après. Ce sera mieux. Je me souvenais pas d'après-midi. Non, mais j'ai une mémoire courte des fois. J'ai encore pas perdu de points. Parier 2000, gagner 2923. Ah là là. La meuf va passer sa vie en cloque. Mais non, mais après on s'arrête, hein. Ce sera la dernière grossesse. Hein. Surtout s'il y en a deux. Oh ouais, il a fait ceinture pendant une journée, hein, t'imagines. Hein. Ça fait crac-crac. Hein. Bonne soirée à toi, Titi Chris. À bientôt, bonne nuit.
Du coup, j'étais contente par 2100 et un cube 3600. Ah ouais. Mais qu'est-ce que... Mais je t'avais donné à bouffer, toi. Oh là là. Tiens, mange. Elle, il va falloir lui mettre un lit et tout le tralala, parce que je sens que ça va être bien. Alors, on va voir ça tout de suite. Alors, on va mettre les... Ici. Voilà, l'un à côté de l'autre. On va prendre un lit pour Bambin. Alors, lit pour Bambin. Quel lit magnifique allons-nous prendre. Ah bah voilà. Tu parles, c'est pas très pêche, mais on s'en fout. Au point où on en est... Voilà, voilà, on a un lit. J'ai déjà oublié. Un lit. Et puis, ah oui, je voulais mettre un petit fauteuil parce que de toute façon, elle va. Ouais, sinon, elle va là-bas. Je sais bien. Si ça... Pas le pouf en version orange, un peu. Oui, si. T'as ça, bah c'est nickel. Voilà. Alors oui, ça va se partager, hein, mais... Qu'est-ce que tu fais? Elle déambule. Ça se passe bien là-dedans? On n'a rien vu, on n'a rien vu, vous inquiétez pas. Allez, hop, direct. Mais en fait, parce que comme ça, quand il y aura la départ... On fera l'élection de l'héritier. Re, pour l'instant. Plus ils seront proches d'âge, les enfants, mieux plus ce sera facile en fait pour les mettre à égalité et les faire compétitifs. Faire une compétition. Un pot. Oh ouais. Oh tu sais, moi dans Lord and Lady, j'en utilise plus alors. Mais quelle saloperie! Mais je t'ai dit d'aller bouffer! Ouh! Toi, je vais te laisser bouffer. Ouais, c'est parce que t'as les yeux verts avec tes rousses que je vais te pardonner. Tu vas te faire bouffer par les hamsters, tu vas voir. Mais quoi? Mais qu'est-ce qu'il y a? Oh là là, mon dieu, c'est trop difficile de... Oh là là, qu'il est difficile d'être le roi de la France. Ils sont en train de s'éclater, eux, au-dessus. Voilà, ta petite sœur qui pleure. C'est bon? Oh merde, il va déjà... Oh, il pue. Il va bosser. Il pue. Bon, il a dormi un peu, c'est déjà ça. Ouais, j'arrive pas à la... Ça marche plus. Un des nouveaux mots interdits. Ça ne marche plus. Je n'arrive plus. Et merci Melvin pour ton follow également. Ah, ça y est. Nourrir. Alors quoi? Allaiter. Je sais plus ce qu'elle a fait. Serrer dans ses bras. Les factures viennent d'arriver. 1700. Ok. Toi, tu t'en... Bon, elle est enceinte, hein. Elle est enceinte. On va aller confirmer ça. Après, t'as du ménage. Hein. Ah là, quand il y a l'âge Bambin, ça va être ménage. Ça va être fou. Hein. T'auras pas le temps de bosser, là. Bah, elle est colère. Oh, bah, c'est bon. On va faire une sieste. Ce maman, elle va faire le ménage. Il va travailler en sentant le... Oui, c'est ça. C'est un... Non, non, c'est pas un plat bugué, mais je sais pas, là où je l'ai mis, c'est peut-être parce que c'était pile entre deux pièces et que ça marchait pas, je sais pas du tout. Donc, y a pas de surprise, hein, elle est enceinte. Hein. Voilà. Et du coup, bah, elle a carrément oublié ce que je lui ai demandé de faire, c'est merveilleux. Allez, cuisine! Merci Martial de le rappeler, j'avais oublié. Je vous ai dit de me le rappeler parce que je... Voilà. Parce que tu sens que c'est la fin là, c'est vrai que c'est 1h40. On va finir cette journée là et puis ce sera bon pour aujourd'hui pour le Notsoberry. Ah.
Ah non, tu vas pas faire à bouffer. Il y a déjà assez à manger comme ça là-dedans. On va demander à... Je vais demander à Gaspard de venir ici. Il y a des fleurs intéressantes. Hein. Gaspard. Mais viens bouffer ça. Oh la vache. Merci Roger. Ah, Roger, après la pègre, il travaille dans la NASA. Dans les laboratoires Future Sims, nous pensons devoir faire des tests sur des cochons d'Inde pour faire progresser la science. Mais Roger nous a prouvé le contraire. Nous tenions à exprimer notre plus profonde gratitude envers Roger pour nous avoir aidé à réaliser notre découverte majeure. Oh. Roger, il est fantastique. Fantastique, mais il ramène pas de carte postale, hein. C'est lequel des deux, déjà? C'est lui, Roger. Mais j'ai pas eu le choix de mettre... en rongeur, j'avais que lui, en fait. J'avais pas les autres bestiaux. J'ai payé les factures pour nous courir. Oh, ce bide. Ouais. Va pas tout bouffer non plus. La gamine, ça va, elle a pas... Mais elle va ref... Zen, Charlie, Zen. C'est qu'un mauvais moment passé. Pour l'instant, elle sent solo. Hein? Elle va aller déambuler, ça lui fera les pieds. Dahlia a grandi. Oui, viens, c'est, je suis au courant. Bon, alors, dès que je te dis de déambuler, tu casses les noix, en fait. Allez. Zou. Cuisine. Et toi, t'as déambulé, t'as fait 3 pas. Toi, t'as besoin de te laver. Bah, pendant qu'elle déambule, va te prendre une douche. Ah oh là là. Deux petites meufs. Bon, même si le dernier, c'est un gars... Oh, mais encore. Ça suffit, hein. Vas-y, elle marche à travers les plantes et tout, elle. Elle est magique, cette gamine. Mais elle déambule, hein. Faut te faire perdre ton gras là. Ton gras des cuisses. Vas-y, tu as illuminé la journée. Ah, c'est vrai que tu peux pas jouer. Tu vas faire connaissance. Tu vas apprendre à parler. On a le temps. Ah! Merde. Je dois avoir le truc qui s'est dédoublé parce que j'arrive pas à cliquer sur... Faut que je clique vraiment sur la petite. Vous savez que ça me fait toujours ce bug là, donc... Coucou Coralie, comment vas-tu? À ce rythme là, elle est déjà jeune adulte. Ah, de vieillir, bah oui. J'ai toujours ça, j'ai toujours ce bug. J'ai jamais eu ce bug de changement d'âge. Ah non, mais moi tout le temps. Dès que les bambins vieillissent, je l'ai plusieurs fois. Et en plus de ça, j'ai le couffin qui se dédouble. J'en ai plusieurs sur eux-mêmes. C'est habituel. Comment ça, Chamallow? J'ai vu que tu avais fait le buzz récemment. Oh, ce body goal que là, elle se cue. Oh, hé, déjà, tu te casses? On t'a pas demandé de venir? Va te coucher, c'est ça. Va dormir. Ouais, 561 Sims Flouze. Allez, prends une douche. Tu l'as bien mérité. Oh, il est tout crade. Oh, mais il a une
une promotion en plus. Promu au poste de directeur régional. Gagnera désormais 18 simplus de plus par an, soit 53. Je n'arrive pas à parler. Et en bonus 280, une présentation en camembert. Nouveaux vêtements et interactions proposées, des conseils professionnels. Et ben c'est super ça. Alors qu'on lui demande pas d'accéder au niveau 10, hein, mais... Bon, t'as fini, vas-y, va t'occuper de la deuxième, là, parce qu'elle commence à me casser les noix. Et les oreilles. Ah. C'est quoi le bug des gâteaux blancs? Bah, c'est quelqu'un qui vient chez toi qui fait 40 gâteaux blancs. T'es chiant. Il a besoin de divertissement. Tu peux te faire du yoga aussi? Attends, attends, tu vas faire le lit pour bambin là? Occupe-toi de la petite là. Ah, le pot. Oh, le pot. Pot. Voilà, c'est Strupière. C'est super. Hop, hop, un pot, deux pots, trois pots. En plus, à côté de son lit, comme ça, elle pourra... Attends, tu vas rien faire. Il y en a qu'une, on peut en profiter. Première grossesse, une. Deuxième grossesse, une. Ça fait du bien. Oui, promouvoir les arts créatifs. Yes, c'est ce qu'on avait voté. C'est incroyable. Ici, nous faisons un certain cuisiner les gâteaux blancs et tu laisses les gâteaux planches préparation, c'est ça. C'est à cause d'écologie ou de votre union des gourmands, c'est pas un bug. Voilà, compétence peau. Ah. Ouais, c'est bon. Oh punaise! Ah bah ça a été direct, hein! T'apprends vite, ma cocotte, hein! À te chier dessus là. Oh, gros caca. Ouh. Gros caca. On va voir le petit chum qui fait son yoga. Parce que, bon, à part faire des gosses, on n'a pas trop avancé au niveau des compétences. Oh, Copper qui envoie un message. Bah oui, mais t'es mort. Minuscule rongeur, grande aventure. Merguez vous a rapporté une carte postale de sa grande aventure. Ce petit rongeur a voyagé jusqu'à un endroit très lointain. Merci Merguez. Oh, c'est super. Elle est où la carte postale? C'est qui l'a eu? Moi, je l'ai pas dans mes... Je ne sais pas. Est-ce qu'on l'a reçu? Mais je sais pas. On l'a reçu quelque part? Ah, ça pue la clope. Ouais. C'est mes voisins, ça, qui pue, là. Ah, oh, ça me dégoûte. Bah écoutez, je ne sais pas, on va peut-être l'avoir par là. Oh. Eh oh, cuisine, toi. On va peut-être le recevoir avec le courrier. Je ne sais pas. Ah, il faudrait que tu t'occupes de ton jardin aussi, mon coco. Hein. Tout vendre. Ouais, non, j'arriverai pas à ça. Salut Justine, comment vas-tu? Merguez le meilleur. Bravo Merguez et merci. J'ai eu la même chose, je croyais que c'était un truc cool, mais quand on vous l'a dit, se taper des gâteaux chez moi 3 heures du matin, ça m'a saoulé. Oui, c'est chiant. L'inventaire du foyer, je sais pas du tout. On va aller voir ça. Ah oui! Carte postale du quai du Moustachu. Oh, le quai du Moustachu. Incroyable. C'est une rare. Nous avons donc une carte postale bonus. C'est cool. Elle est partie se coucher. Très bien. Elle a toujours pas dit à Cham Cham qu'elle était en cloque encore. Oh bah en même temps, ils le savent, hein, ils ont enchaîné. Hein. Et merci Camille, du coup, pour l'inventaire du foyer. Mais c'est bon. Ah ouais, quelle souplesse.
Tu nous fais un petit niveau 7 ou pas? Non, c'est encore... C'est encore un peu loin. Il est 8h. Il est 8h, 9h30. Ah bah c'est relevé. Arrête de faire à bouffer tout le temps. Oh, t'es vraiment une duchesse, toi. Hein. Pardon. On va faire nos petits niveau 7. Et c'est super. Allez, niveau 7. Bon, on n'aura pas beaucoup avancé, mais on y arrive de mieux en mieux. Elle va manger aussi. Très bien, après elle ira se coucher, on aura la paix. J'allais dire, c'est quoi ces sous? C'est lui, j'ai oublié. Aïe, 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 aïe. Ah, et les carottes aussi. C'est bien, mon cham-cham. Eh ben, tu peux enlever la nourriture gâtée et prendre des restes. Vas-y, fais-toi plaisir. Oh, la poubelle est dégueulasse. Ah, alors, ça va bien. Oh, la gamine, qu'est-ce qu'elle fait encore? Elle n'a pas fini de bouffer, si? Ah, en fait, chérie, sache que... non, pas indépendant. Alors... Eh ben, sache que elle peut pas te le dire. Apparemment, on peut pas discuter de ce genre de choses. Oh, la petite photo de famille, son choupipi. Ah si, ça y est. Il fallait qu'elle soit debout. Ah si, on peut pas lui demander. C'est comme le tricotage. Si t'as une table de salle à manger, tu peux pas tricoter. C'est pas possible. Ouais, tais-toi. Ah, va te coucher. Oui, Nubu. Oui. Allez, toi aussi on va te donner à boire, à manger, tout ça, pour que tu nous crasses pas trop les reins. Ça y est, t'es content, Chamallow, là? T'es content, t'as une promotion, t'as eu un bébé, tu vas en avoir un autre. Oh, c'est trop de bonheur, hein, tout ça. Ah oui, la preuve. Kapuna. Il y a Roger qui est encore en train de faire des trucs louches dans sa cage. Roger n'est pas disponible. Je sais pas ce qu'il fait, mais... Eh non, toi, tu dors, hein, tu fais pas une sieste. Hein. Oh là là, mais si tu es en colère, moi, tu vas voir que je vais te mater. Hein. Saleté, va. Voilà. On relookera la petite la semaine prochaine. N'inquiétez pas là-dessus. J'attends qu'elle se couche pour la border. Voilà, border. Et lui, il mange de... Parce que, en fait, ça l'inspire tellement la cuvette des toilettes qu'ils se sont obligés de manger devant. Ça, c'est fait. Eh ben, c'est bien. Allez, tout le monde au lit. Enfin, tout le monde au lit. Ici tout le monde au lit. Et on va pouvoir s'arrêter là. Tranquillement. Non, pas de crac-crac. Et je mets sur pause, j'enregistre. Et c'est ici que se clôture ce Not So Berry pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine avec l'arrivée du bébé 3.
peut-être le dernier de cette série. On verra. Et j'espère que cette rediff vous aura plu. Je vous fais des bisous à YouTube. Revenez bien. Là, vous pouvez venir. Hein, c'est le mercredi sur Twitch. C'est gratuit. Et puis, bah, à bientôt. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao.